Alors, je suis obligé de faire une petite présentation, parce que si jamais quelqu'un veut visionner dans quelques temps, il faut que je dise qui je suis. Bref, je suis Daniel Kunt, voilà, je me présente tout seul. Astronome, sans doute astrophysicien, on ne sait jamais, ça c'est le... Ah. D'ailleurs, écoutez, j'ai lu un texte que j'ai trouvé formidable. C'est le discours prononcé devant l'Académie Nobel le 7 décembre 1996 à Stockholm, par un prix Nobel que tout le monde, que personne n'a retenu, c'est bien dommage, c'est une poétesse. Elle s'appelle Wisława Szymborska, je ne sais pas si quelqu'un connaît. C'était une personne remarquable qui est décédée maintenant, et je suis tombé là-dessus, j'ai lu son discours, magnifique, surtout qu'elle parle de je ne sais pas, et que le je ne sais pas, c'est propre à notre activité, si on dit je sais, ben, c'est même pas la peine de continuer notre travail. Et elle parle de ça, mais d'une manière poétique. Donc je vous conseille vraiment de lire ce discours, c'est magnifique. Et j'adore la première phrase, que je vais faire mienne. On prétend que dans un discours, la première phrase est toujours la plus difficile. Le plus dur est donc derrière moi. Voilà, je trouve ça très joli. Ça donne envie de lire la suite. Hein. Bon, donc voilà, c'est fait. Donc je suis astronome et j'ai travaillé essentiellement sur les en cosmologie, formation des galaxies, formation des étoiles. Et d'un point de vue observationnel, puisque mon travail m'a conduit à aller observer un peu partout dans les grands observatoires, en particulier en faisant de l'imagerie, de la spectroscopie, mais pas seulement l'astronomie optique, mais aussi l'astronomie dans d'autres longueurs d'onde, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul outil qui permette de résoudre un problème donné. Il faut convoquer d'autres méthodes, d'autres manières, d'autres outils pour travailler, pour observer et traquer un phénomène. Donc ça m'a conduit à observer avec IUE, avec, et surtout depuis une dizaine d'années, plus même, qu'est-ce que je raconte, depuis 91, ça fait plus, avec le télescope spatial Hubble. Voilà. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai été conduit à me poser des questions sur l'accumulation des connaissances. Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le garde pour soi? Est-ce qu'on le partage avec d'autres? Et pendant à peu près un an, je suis allé au ministère de la Recherche et de la Technologie, et là, j'ai rencontré Hubert Curien. Et c'est ce qui m'a donné envie de réfléchir justement au rapport qu'on peut avoir avec le public. Et on a mis en place la Nuit des Étoiles. Ça s'appelait à l'époque Nuit des Étoiles Filantes. Et quand je lui ai proposé ce projet, avec évidemment la complicité de l'AFA et tout ça, il a été tout à fait d'accord. C'était vraiment un homme remarquable qui a vraiment accompagné, je pense, d'une manière très forte, hein, très solide, avec beaucoup de conviction, cette notion de transfert des connaissances. Voilà. Et puis après, pour ma part, j'ai continué, mais j'ai quand même... je n'ai pas voulu m'attarder dans un ministère. Je suis revenu ici. C'était sous la direction d'Alain Aumont à l'époque. Et ensuite, les directeurs se sont succédés. On a eu Bernard Faure, on a eu Laurent Vigroux et maintenant Francis Bernardo. Moi, j'ai continué mon chemin, alors, d'observateur, et puis aussi, avec vous, à ces conférences, j'ai écrit des livres, voilà. Dernière en date, ça a été le musée, exposition permanente du planétarium, à côté du planétarium de Vaux-en-Velin, si vous avez l'occasion de passer. Ça a été une très, très belle expérience aussi avec une grosse équipe et ça a duré pas mal d'années. Et voilà. Et puis, ce qui m'intéresse dans les rapports entre science et public, c'est les rapports science-société, les rapports science-art. Et donc, mon livre sur les mots du ciel, ça procède de la même logique, c'est-à-dire comment la science se diffuse d'une manière parfois tout à fait étrange et inconsciente dans notre manière de parler, de s'exprimer, d'avoir des rapports entre nous. Voilà. Bon, je vais arrêter là quand même, ça suffit. Hein, c'est peut-être un peu trop long même. Dans la mesure où j'ai fait beaucoup d'observations, enfin, comme tous les observateurs, j'ai été amené à réfléchir sur ce qu'est une image. Qu'est-ce qu'une image? Et je vais essayer ce soir de vous transmettre ça, de vous transmettre un peu ce que j'ai pu glaner comme expérience et comme question. C'est surtout des questions d'ailleurs. Et si j'ai intitulé ma conférence « Les images sont-elles trompeuses ?», c'est à la fois pour vous faire aussi réfléchir, et réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'une image. On avait eu il y a une dizaine d'années quelqu'un qui s'appelait Madame Sicard, je ne sais plus son prénom, Monique, merci, Monique Sicard, qui était venue parler d'un sujet un peu similaire. Et ça a été le commencement de cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'une image ?
Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Alors, sont-elles trompeuses? Et je vous commence par celle-là, par exemple. Vous voyez, une belle image. Beaucoup d'entre vous la connaissent peut-être. Elle a eu le prix de l'image, de la meilleure image en 2005. Vous voyez ce que c'est? D'accord. Alors, ceux qui savent, est-ce qu'il y en a qui sont, vous savez tous, ce sont des chameaux, peut-être? Bon. Alors, en réalité, ce ne sont pas des chameaux. Enfin, si, ce sont des chameaux, mais ils ne sont pas où on croit. Donc, ce que vous voyez, ce sont en fait les ombres de chameaux. Au premier regard, on ne fait pas attention, tout le monde croit voir des chameaux un petit peu dans l'ombre. En réalité, les chameaux sont en blanc. Ils sont vus de haut. Ils sont vus du ciel. Hein ? Et ce que vous voyez, ce sont les ombres, qui ont l'air évidemment plus réelles que nature. Alors, vous voyez, voilà, c'est ce type d'image. Je trouve que c'est... Moi, ça m'a plu pour commencer cette conférence. Et on est souvent, très souvent, confronté à ce genre de choses. Quand on écoute les news, hein, les nouvelles sur la télé, ben on nous montre des images, mais si on ne fait pas attention à ce que l'on regarde, eh bien on peut faire énormément d'erreurs, surtout lorsque les images passent très vite. Alors, il n'y a pas d'image naïve, hein, c'est ça un des messages que je voudrais que vous preniez. Il n'y a pas d'image naïve. Toutes les images sont des constructions. Vous allez me dire, non, s'il y a du verre, vous allez photographier du verre. S'il n'y a pas de verre, vous photographierez ce que vous voulez, il n'y aura pas de verre. C'est vrai. Mais ça dépend aussi du geste que l'on fait, de l'œil, hein, d'une maîtrise technique, de plein de choses qui sont indépendantes, complètement indépendantes de ce que l'on veut photographier. Hein. On a longtemps cru que l'idée selon laquelle une photo, c'est la preuve d'un monde qui n'a pas besoin d'observateur, c'est-à-dire que la photo restitue la réalité, eh bien, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est toujours une question de point de vue. Alors, bon, c'est d'autant plus important à savoir que les astronomes sont eux-mêmes producteurs d'images, énormément producteurs d'images. La science aujourd'hui est productrice d'images de plus en plus. On a besoin de ça pour des tas de raisons. Mais en ce qui concerne l'astronomie, dans la mesure où la lumière est le lien quasi unique qui nous relie à l'univers, eh bien évidemment, on n'a pas trop le choix que de passer par l'intermédiaire de l'image. Même si, y a image et image, il y a l'image du visible, mais il y a aussi l'image de l'invisible. Le spectre électromagnétique est très vaste et très rapidement, on a commencé à s'intéresser à ce que l'on ne voyait pas, l'invisible. Donc on traque cet invisible, mais du coup, il faudra le rendre visible. Et ça va supposer un certain nombre un code. Le spectre donc va bien au-delà du spectre visible. Et puis il y a aussi, d'autres manières de se représenter la réalité, soit par des simulations numériques, soit d'essayer d'imaginer ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire le trou noir, soit de représenter des équations. Il y a plein de raisons pour essayer de produire des images qui sont des images calculées. Et là aussi, on est obligé effectivement d'avoir recours à une forme, un codage, une façon de représenter les choses, qui induit évidemment chez vous, chez nous, chez tout le monde d'ailleurs, des réactions ou des représentations qui ne sont pas forcément identiques s'agissant d'une ou de l'autre personne. Donc l'image, et donc je résume ça en disant que ce n'est qu'une partie de la réalité et une forme de mise en scène. Si je prends par exemple, je décide de photographier le ciel avec une plaque photographique dont l'émulsion est sensible dans le bleu, eh bien, je vais sélectionner un certain nombre d'objets. Il y a des astres que je ne verrai pas, parce que j'aurais fait ce choix. De même que si vous vous promenez dans la nature avec des lunettes complètement teintées de bleu, bien, il y a des choses que vous ne verrez pas. Si vous changez, vous chaussez des lunettes rouges, vous verrez un autre monde. Bon, on est assez familiarisé quand même avec cette idée-là, quand on va chez le médecin et qu'on fait une radiographie, c'est bien de vous dont il s'agit, mais c'est une autre façon de voir les choses. Il y a quand même beaucoup de musées maintenant où on montre ces différents points de vue et cette façon de mettre en scène. Ce qui est assez nouveau, c'est que le développement de toutes ces techniques fait que souvent les images se ressemblent. Alors, je me suis amusé à vous passer des images comme ça, pour que vous puissiez voir, vous demander si ce sont des images d'astronomie ou pas. Alors comme vous êtes des gens fidèles à l'astronomie, hein, voilà celle-là, est-ce que c'est une image d'astronomie? Est-ce que c'est une image d'astronomie? Madame a dit non. Non, mais je sais que c'est... Vous voyez, ça, c'est une expérience biaisée, parce qu'il y en a qui viennent là depuis des années. Et d'ailleurs, c'est à notre crédit. Ça montre que, voilà, vous avez acquis des choses, mais pas seulement ici, mais enfin, quand même. Bon, ça, par exemple, ça pourrait. Hein.
Ça pourrait être une simulation. On pourrait avoir des amas. C'est pas une. Non, c'est de la tuberculose, si je me souviens bien. Mais franchement, ça ressemble quand même pas mal à certaines bactéries, certaines. Voilà, ça pour... on voit bien, il y a des étoiles à côté. J'ai fait exprès de vous donner les images telles qu'elles sont. C'est la nébuleuse du crabe. Mais ça pourrait être aussi une image d'un milieu aquatique, une méduse ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, certains phytoplanctons ressemblent beaucoup. Ça, je l'ai mis, un virus détecté, c'est pas un virus d'ordinateur, c'est un vrai virus qu'on n'aime pas du tout d'ailleurs, c'est le virus du sida. Alors si je me permets de faire ça, c'est pour une autre raison. Parce que ça questionne aussi la notion d'esthétique. Très souvent, j'entends dire « Ah, oh, cette image d'astronomie du ciel est belle, magnifique. » Bon, moi je ne sais pas. La notion de beau, c'est toujours quelque chose qui me pose question. Parce que le beau, ce que l'on dit beau, qu'est-ce que ça signifie ? Ça va souvent de pair avec la forme va avec le fond. C'est parce qu'on sait de quoi il s'agit, parce qu'on parle du ciel, et donc ça paraît beau. Si je voyais ceci dans le ciel, je trouverais peut-être ça beau, après tout. Mais maintenant que je viens de vous dire que c'est un virus du sida, je pense que notre position change. Donc la connaissance de l'objet que l'on regarde affecte aussi le sentiment esthétique que l'on peut avoir de ce que l'on observe. Ça aussi, je crois que c'est des staphylocoques dorés, je crois. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup. Ça, on voit bien que ce n'est pas une image d'astro, mais ça pourrait ressembler à certaines images d'astro. Celle-ci, par exemple, vous avez là aussi. Hein, est-ce qu'on est dans un. Voilà, franchement. Bon. Ce sont les premières images que Laurent Vigreau et moi avons prises à Hawaï, avec la première caméra CCD, une des premières caméras CCD qui ont été mises en service en astronomie. Donc, c'est une image ancienne. Eh bien, vous avez des galaxies ici, qui sont avec la formation d'étoiles au milieu, et puis vous avez donc des étoiles, un disque stellaire, vous avez du gaz, vous avez différentes couleurs, et on a évidemment obtenu cette photo en noir et blanc, et puis on a regardé les coupes d'intensité, et c'est beaucoup plus facile pour regarder la structure en luminosité, donc la structure, la répartition de la population d'étoiles. Donc ce sont des galaxies, on est dans les étoiles. Ce que là, à gauche, non. Ce n'est pas très différent, mais ce n'est pas ça. Alors là, je crois aussi, c'est pareil, c'est un virus de typhoïde. Je ne me souviens plus des noms du virus, je n'ai pas senti que c'était extrêmement important. Je l'ai mise à la place de. Voilà, j'ai mis à la place de ça. Il y a une petite galaxie en dessous, donc j'ai mis ça pour illustrer. Alors si je reviens à celle-là, certains d'entre vous ont cru que ce n'était pas une photo d'astronomie. Franchement, oui, vous avez raison. Ça pourrait très bien être des petits spermatozoïdes qui se déplacent ou quelque chose d'autre dans un milieu aqueux. Eh bien non, vous voyez, c'est une partie, là, c'est ici, ça correspond à peu près à celle-là, enfin, c'est un agrandi, c'est pris par le télescope Hubble, hein, très très agrandi, et ce sont des systèmes qui sont, dont on dit que ça formera des planètes, ou enfin ce sont des objets extrêmement denses qui sont chauffés par l'étoile centrale. C'est une nébuleuse planétaire, donc l'étoile vient de s'effondrer sur elle-même en partie, tout en rejetant une importante coquille de gaz. Et comme c'est extrêmement chaud, ça fait plus de 100 000 degrés, eh bien, il y a effectivement tout ce gaz est ionisé, et vous avez là ici des objets compacts qui laissent derrière eux une traîne, et quand on agrandit, eh bien, on obtient cette image. Si vous voulez avoir l'objet globalement, ça donne cela, et ce que j'ai montré tout à l'heure est quelque part ici. Hein, voilà. Ça, c'est intéressant, je trouve. On voit très bien là que, eh bien, on pourrait très bien, si on livre l'image toute seule, on peut effectivement interpréter autre chose. Alors, je vais faire un petit retour sur la manière dont on obtient une image. C'est très important, je pense, de comprendre comment on obtient une image, à la fois d'un point de vue scientifique que du point de vue de ceux qui vous montrent des images dans la presse ou comme ça, pour illustrer. Voilà, il y a deux buts dans les images qu'on obtient. Alors, eh bien, on a maintenant des CCD. J'aurais pu faire tout ce discours à partir des plaques photographiques. J'ai choisi de le faire avec des techniques modernes. Qu'est-ce qu'un CCD ? Un CCD, c'est une mosaïque qui contient des diodes. Là, on voit là, ici, vous voyez. Et ces diodes sont sensibles aux photons incidents,
à chaque fois qu'un photon arrive, eh bien, il y a des électrons qui sont produits, donc ça se charge, et puis ça se charge au fur et à mesure que, d'une manière proportionnelle à l'intensité lumineuse qui est tombée dans chaque diode. Donc plus vous avez de diodes, eh bien, plus vous pourrez effectivement bien échantillonner l'image et avoir une image extrêmement précise. Alors ça, Alors, qu'est-ce que l'on obtient ensuite? Eh bien, on va lire d'une façon analogique le nombre d'électrons qui ont été produits par ces photons. Et le nombre d'électrons est proportionnel au nombre de photons. Ça, c'est le travail de l'astronome. On va donc coder tout cela avec des chiffres. Et bien sûr, il y a une saturation. On aurait très bien pu imaginer que si vous vous intéressez à la pluie qui tombe, vous mettez des seaux comme ça, collés les uns à côté des autres, et puis vous attendez que l'eau tombe, et bien au bout d'un moment, vous allez regarder quel est le niveau de... qu'est-ce qui a été rempli par chaque seau, et qui sont plus ou moins bien remplis, eh bien, on voit bien qu'il y a un moment où on ne peut pas compter plus d'eau que la quantité, enfin, que le volume du seau. Ça s'appelle la saturation. Donc il faudra faire attention que l'on n'observe pas trop longtemps ou des choses trop brillantes, parce qu'il y aura trop de lumière qui va arriver dans une diode donnée, et auquel cas on ne pourra plus compter. Mais dans une situation comme celle-là, vous voyez que si on a beaucoup de lumière, eh bien, on va coder en blanc, hein, 254, c'est très très fort, et 107, eh bien non, on a moins de lumière, et puis noir, ça veut dire qu'on n'a rien reçu. Alors voilà, ensuite, ça c'est évidemment un agrandissement, mais une image typique donne ceci, et on fait exprès hein, de montrer chaque petit carré, chaque petite diode, et on voit bien que l'intensité lumineuse s'est concentrée là, et puis voilà, ici on peut voir que l'intensité diminue, donc on a une étoile. Alors, je fais cette image, elle est en noir et blanc. Elle est typiquement en noir et blanc. Ce sont des chiffres, de toute façon. Qu'est-ce que ça veut dire en noir et blanc? Ce n'est même pas du noir et blanc, c'est une grille de chiffres qu'on obtient. Une grille de chiffres qui va de 0 à 256, par exemple. Hein, notez que c'est toujours des chiffres binaires, parce que les ordinateurs comprennent les 0 et les 1, et savent très bien compter en binaire. Voilà, ça c'est le codage. Après, on est dans des systèmes de codage. Maintenant, si on veut, on se souvient qu'une étoile peut être en couleur, quand même, hein. Donc comment on va s'y prendre? Eh bien, on va d'abord mettre un filtre. Alors, une technique RGB, c'est une technique très connue qui est RGB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu. Le rouge, alors c'est de l'intensité, hein, c'est-à-dire c'est de la synthèse additive. C'est-à-dire qu'on prend de la lumière rouge, plus de la lumière verte, plus de la lumière bleue, ça donne du blanc. Voilà. D'accord? C'est pas comme l'autre technique, vous savez, de mélange des couleurs, qui est une technique soustractive qui, elle, fonctionne différemment. Donc si je place d'abord un filtre rouge, je vais observer que les photons qui ont le bon goût de passer dans le rouge. Mais ça va me donner toujours, le détecteur, il ne sait pas hein, que le photon est rouge, il va recevoir un photon, il va mesurer des électrons, et puis il va donner des chiffres, comme ça. Ça va vous donner une image numérique que vous pourriez représenter en noir et blanc, parce qu'il n'y a pas de notion de couleur. Vous faites la même chose avec le filtre vert, vous avez une autre image. Vous faites la même chose avec le filtre bleu, vous avez donc trois images noires et blanc. Avec ces trois images noires et blanc, ensuite vous faites l'inverse, vous les superposez, en respectant effectivement l'idée que vous vous souvenez que la première était verte, l'autre était rouge et l'autre était bleu, et vous aurez quelque chose qui ressemble à l'image d'en dessous. Voilà comment ça se passe. Alors ça se passe comme ça parce que la luminosité générale, vous voyez, que l'on a en plein jour, elle est composée effectivement avec RGB, avec ces trois couleurs, on obtient à peu près. On représente à peu près le blanc donc, que l'on observe, c'est-à-dire à peu près la lumière du jour. On met un peu plus de bleu. Et la sensibilité de l'œil elle-même, il faut savoir qu'elle est très sensible, elle est différente selon qu'on a une vision de nuit et une vision de jour, puisque nos cônes et nos bâtonnets sont respectivement sensibles plutôt vers la lumière jaune en plein jour, et pour les bâtonnets, sensibles à la lumière bleue en pleine nuit, parce que la lumière de la nuit est plutôt... pique dans le registre des bleus. Alors voilà comment ça fonctionne. Mais dans la vraie science, on a besoin souvent d'avoir des filtres beaucoup plus fins que ce que je vous ai donné là. Vous allez prendre des filtres extrêmement étroits qui vont essayer parfois de faire passer une quantité de lumière précise parce qu'on sait que là, vous allez avoir dans cette lumière la signature d'un atome précis ou voilà, une propriété de l'étoile ou de l'objet qu'on cherche à capter. Et là, par exemple, c'est la liste de tous les filtres qui échantillonnent
le spectre que l'on voit à l'œil nu, hein, même davantage dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet, eh bien, cette liste de filtres qui sont codés, qui ont des noms, il y a des roues, c'est inscrit sur des roues, et puis ça permet donc de s'interférer, donc se placer devant la source, et ensuite on observe à travers ce filtre. Donc tous ces filtres-là sont à la disposition des astronomes qui observent avec le télescope Hubble. Hein. Si on veut observer dans l'ultraviolet, on va prendre F122M, et là, ça sera très très bien pour observer la fameuse raie Lyman-alpha que j'ai beaucoup utilisée, que j'aime bien. Mais si on veut regarder la raie H-alpha, vous savez, celle qui donne ces belles couleurs rouges que l'on voit autour des nébuleuses, eh bien on choisira plutôt le filtre F656, 656 parce que c'est 656 microns, justement, qui est la longueur d'onde. On s'est centré sur la raie H-alpha. N, parce que ça veut dire que c'est un filtre étroit, ça laisse passer très très peu de lumière autour de cette longueur d'onde centrale, etc. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, faisons l'exercice, on va prendre une belle nébuleuse que vous connaissez bien, parce que je vois que vous connaissez l'astronomie comme votre poche. Hein. Donc je prends cette nébuleuse superbe, avec des étoiles en train de se former, là, de la poussière, plein de trucs, elle est à droite, et je l'ai prise, cette photo, enfin pour moi, je l'ai prise à travers le filtre rouge. Alors évidemment, ça me donne une photo noir et blanc, parce que j'obtiens les photons ont tapé, on donnait des électrons, les électrons n'ont pas de couleur. Donc je sais que c'est une photo noir et blanc, donc je vais la coder, la colorer avec mon pinceau en rouge pour bien indiquer que c'est avec du rouge que je l'ai fait. Eh bien, je fais trois fois la même observation du même objet avec trois filtres différents, une fois un filtre vert, une fois un filtre bleu et une fois un filtre rouge. D'accord ? Vous voyez qu'on obtient des choses différentes. Si vous regardez bien, et même avec la photo rouge, là ici, par exemple, vous avez des étoiles là, qui apparaissent très brillantes, là on les voit à peine. Là, elles sont encore plus brillantes, vous voyez, les unes par rapport aux autres. Vous avez ici, vous voyez très très bien la poussière, là, vous la voyez beaucoup moins. Donc, ce ne sont pas les mêmes images. Ce ne sont pas du tout les mêmes images. Elles se ressemblent, bien sûr. Pas transformer l'image complètement, mais il y a des images qui sont parfois même, ou dans certains cas, certaines étoiles. Vous voyez par exemple celle-ci, là. On ne la voit pas, là. Hein, visiblement, elle ne sait pas ce que c'est que le bleu, cette étoile-là. C'est une étoile froide. Donc vous voyez, c'est très important, parce que là ici, ces deux-là aussi, elles se comportent différemment. Donc c'est très important, tout de suite, le comportement des étoiles nous permet, à travers ces différents filtres, de savoir si une étoile est très brillante dans le rouge, ça veut dire qu'elle est très froide, si elle est très brillante dans le bleu, au contraire, c'est une étoile massive. Et qu'est-ce que je fais ? Enfin, in fine, je ne suis pas obligé de le faire. D'ailleurs, les astronomes, eux, travaillent que sur ces images-là, c'est ça qui les intéresse. Ils vont faire des mesures précises, des mesures de contour, d'intensité, plein de choses à partir de cela. Mais pour les besoins d'une illustration, pour les besoins d'un journal, eh bien on va combiner ces trois images et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ça. Et oui, tout simplement parce que voilà. Et ça ressemble un peu à quelque chose qu'il y a dans le ciel, sauf qu'on ne voit jamais ça dans le ciel, ni à l'œil, ni avec un instrument simple. Il faut avoir un instrument déjà compliqué pour obtenir ces couleurs-là. Donc elles n'existent pas. Cette photo-là est une photo fabriquée, entre guillemets. Bien sûr, ça correspond à quelque chose qui existe quand même dans le ciel, mais personne ne le voit comme ça. Ça résulte d'une opinion, d'une prise de... d'une mise en scène de la réalité, parce que finalement, je n'ai pas du tout d'ultraviolet dans cette image-là. L'image, la vraie image, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être beaucoup plus intense en ultraviolet, peut-être encore beaucoup plus dans l'infrarouge, où c'est enveloppé de poussière, etc. Et donc vous auriez une autre forme, on ne verrait peut-être même pas les étoiles. Donc qu'est-ce que la vraie image d'un objet ? Eh bien, c'est tout en même temps. Ça dépend du point de vue. Et c'est important de savoir quel point de vue on adopte. Alors après, une fois qu'on a obtenu ces images, il faut les analyser. C'est un long processus, vous imaginez bien, mais d'abord, il faut savoir comment on les observe. Alors, un CCD, donc je vous ai dit, c'est fait de pas mal de petits éléments, comme ça, qui ont leur dimension. Et vous en avez 500 par 800, ou vous voyez, ce sont des rectangles, des mosaïques, en fait. Et en général, quand on obtient l'image, eh bien, on les lit. Alors, il y a une mode de lecture qui se fait colonne par colonne. C'est-à-dire que si vous êtes ici, par exemple, eh bien, ce petit carré, cette diode-là, ces électrons vont être déversés là. Celles-là vont être déversées ici. Donc on va lire, c'est un exemple que je donne, c'est peut-être pas ça dans ce cas précis, mais on va vider vers le haut toute la colonne
sur un registre qui tient ses comptes, hein, qui sait que la diode numéro 1,1 ici va être à telle valeur, et ça, c'est ainsi de suite. Ça se fait très, très rapidement, bien entendu, mais tout ça, c'est lu colonne par colonne. On passe une colonne, l'autre colonne, etc. Parfois, pour des raisons qui sont liées à la construction de l'instrument, on n'hérite pas d'instrument parfait. Il y a des colonnes qui sont inactives. Vous voyez, là, il y en a qui n'ont pas fonctionné du tout. C'est bien embêtant. Ça veut dire que même si les photons sont arrivés sur ces diodes, eh bien, ça ne marche pas, ça ne donne rien. Voilà. Donc, il faut faire avec ça. Hein, ici, parfois, vous avez des pixels morts. Là, ce pixel-là, il est mort. De sorte que ça a empêché, ça a permis de faire lire tout ça. Mais comme celui-là était mort, tout ce qui était là n'a pas pu être dévidé en direction du registre de lecture. Mais voilà, on ne peut pas lire. Voilà, ça fait partie des choses qu'on sait. Parfois, il y a des saletés. Hein, on a beau prendre toutes les précautions qu'on veut, on travaille en chambre propre et tout, mais parfois, il y a des débris, on ne sait pas d'où ça vient, même des bouts de cheveux. Et évidemment, ça fait des choses pas très agréables. Il faut en tenir compte. Une fois qu'on a l'image, on a ça. Puis vous avez des petits points blancs, là, un peu bizarres. Je vais revenir là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Parce que nous sommes en ce moment même dans cette pièce traversée par des rayons cosmiques en provenance de tous les coins de l'univers. Des vieilles supernovas, voilà, ces supernovas sont vraiment des sources de rayons cosmiques importants. Le Soleil aussi, bien entendu. Eh bien, quand ça passe dans une cible comme un CCD qui est chargé électriquement, eh bien, évidemment, ça interagit avec la diode et ça crée un signal qui ressemble effectivement à celui que l'on obtient à partir d'un photon, même si ce n'est pas un photon. Donc il faut le distinguer quand même. Il ne faut pas croire que c'est un astéroïde qui passe ou que c'est une étoile. Alors on s'en rend compte parce qu'en général, ça a des formes tout à fait caractéristiques. Soit c'est un tout petit point, mais qui n'a pas de structure tout autour. Une étoile, c'est en général un centre, et puis ça s'est un peu diffusé. Ici, vous avez là, c'est une image qui a été guidée d'une façon un peu différente. Donc, chaque étoile traîne un peu, vous voyez. Mais ce n'est pas le cas de ces choses-là. Alors là, il faut les éliminer ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, ça peut gêner les mesures d'intensité. Donc, il faut trouver un algorithme mathématique pour s'en débarrasser. Parfois, vous avez des choses très, très bizarres. Vous avez des problèmes dits de guidage. Vous savez que quand on observe, par exemple, pendant une demi-heure ou une heure, eh bien, il faut que le télescope suive tranquillement, bien sûr. Mais parfois, vous avez un problème de guidage. Là, c'est très typique ici. Le télescope était là. Il n'était pas au bon endroit, mais là, c'est une étoile très brillante qui a eu le temps de donner un signal, même si ensuite le télescope a été remis à sa bonne position. Alors, entre-temps, l'étoile a continué à libérer ses photons jusqu'à ce que ça s'installe au bon endroit. La pose a lieu, évidemment, vous avez l'étoile. D'ailleurs, elle est saturée. Et là, ici, vous avez des vraies sources. Mais ça, c'est quelque chose qui traduit le fait qu'à un moment donné, il y a eu un mauvais guidage. À gauche, par contre, c'est un satellite. Le satellite est passé dans le champ. Il est passé dans le champ. Vous savez, les satellites tournent sur eux-mêmes, comme ça. Et comme ils tournent sur eux-mêmes, eh bien, leur éclairage par rapport au Soleil peut varier. Et donc, vous avez ici un satellite qui n'est pas très brillant, puis qui devient de plus en plus brillant au fur et à mesure qu'il passe dans le champ. Alors, ça aussi, il va falloir... il faut faire avec. Peut-être que parfois, ça passe... On a une belle galaxie qui est ici, et qu'on a voulu observer. Vous avez un satellite qui passe dedans. Ce n'est pas très agréable, mais on a des techniques pour... d'une certaine façon, eh bien, s'en débarrasser. Des fois, vous avez pire que ça, vous avez ces fameuses images fantômes, très esthétiques. Pendant très longtemps, à l'Institut, je ne sais pas si vous vous souvenez, à droite, en rentrant, vous aviez de très belles photos prises par des mosaïques de CCD dites, appelées Megacam à Hawaï, qui étaient vraiment des belles photos très profondes, très intéressantes, mais il y avait aussi des images fantômes, comme ça. Alors, ça rendait l'image belle esthétiquement, parce que c'était beau de voir ça, mais c'était sans intérêt scientifique, évidemment. Au contraire, c'est même très gênant. Donc ce qui peut être gênant pour la science peut être esthétique et intéressant pour celui qui ne s'intéresse pas à l'analyse de l'objet. Là, alors d'où viennent ces images fantômes? Ça vient de l'ensemble de l'instrument, de l'instrumentation, qui fait qu'il peut y avoir des réflexions un peu partout. Évidemment, on essaie d'éviter ça autant que possible, mais il peut y avoir une pièce qui renvoie la lumière qui se redirige sur la cible. Il peut y avoir aussi des saturations, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Quand votre seau d'eau est plein, vous avez beau mettre de l'eau, ça ne marche pas. Mais là, c'est très embêtant. Quand il y a une saturation, dans la mesure où on lit
colonne par colonne, eh bien, les électrons qui saturent un des pixels, peut-être que certains d'entre vous font de l'imagerie CCD, maintenant ça devient de plus en plus répandu même pour le public, c'est bien d'ailleurs, eh bien, une diode a été atteinte par trop de lumière, eh bien, ces électrons vont déborder un petit peu et finir par s'étaler le long de la colonne. Et vous avez ici, vous voyez, c'est ce qui se passe, le long de la colonne de lecture, eh bien, vous avez une saturation comme ça. Voilà. Alors parfois, ça gagne toute la colonne. Là, c'est une petite saturation. Vous voyez, ça s'étale dans la direction privilégiée, qui est la direction de lecture des informations. Donc ça aussi, il faudra évidemment en tenir compte. C'est très gênant, parce que quand même, là, vous avez ici d'informations qui auraient pu être intéressantes. Vous pouvez avoir quelque chose comme ça, une étoile lointaine qui est complètement masquée du coup par ce genre de choses. Bon. Là, c'est une vraie saturation aussi, mais en plus, vous avez des aigrettes là, qui sont dues, vous savez, au fameux... l'araignée, c'est-à-dire les attaches du miroir secondaire qui renvoie la lumière vers le primaire. Et ça, évidemment, c'est illuminé par en bas, et donc ça renvoie la lumière vers le casse-grain ou vers le foyer primaire, et ça donne ces effets-là, qui sont aussi, peuvent être gênants. On peut d'ailleurs, on appelle ça des artefacts, on en a plein, hein, aussi vous avez des halos, vous avez des choses comme ça. Alors on peut s'amuser pour les besoins de l'esthétisme, mais pas pour la science, on peut les supprimer. Par exemple, ceci-là, vous pouvez le supprimer, il suffit de prendre cet élément-là, de le mettre, de le redresser numériquement, de faire superposer ici, et puis on arrive comme ça à supprimer. Vous voyez, ça c'est ce qu'on obtient à la fin. On a un petit peu nettoyé là, ce qu'on avait verticalement. Donc ce sont des artefacts. Hein. Mais parfois, vous avez des situations encore. Ça, c'est très fréquent. Lorsque vous utilisez plusieurs CCD en même temps, c'était d'ailleurs vrai pour les plaques photographiques autrefois, eh bien, chaque CCD a son comportement, sa réponse. Vous en avez plusieurs, on les voit, on les devine. Vous voyez que ce n'est pas uniforme. Et cette non-uniformité est due au fait qu'on a mis plusieurs, on a fait un pavage de CCD, et donc il faut uniformiser tout ça. Hein, parce que vous en avez qui sont plus sensibles que d'autres, et bien, ils réagissent mieux à une intensité donnée, toujours la même. Hein, et bien, il y en a qui vont réagir 10% plus mieux que d'autres moins. Et donc il va falloir uniformiser tout ça, ce qu'on appelle donc calibrer ces choses-là. Ça, c'est un vrai souci. C'était la même chose, d'ailleurs, avec les plaques photographiques. Vous pouviez avoir une partie de la plaque qui était plus sensible que l'autre. Eh bien, il fallait en tenir compte lorsqu'on faisait l'analyse. Voilà, je ne résiste pas à vous montrer cette image qui a été prise par Voyager 2 en 1980, à peu près. À l'époque où Voyager 2 était déjà à plus d'un milliard de kilomètres, 2 milliards même de la Terre. Et c'était typiquement ce genre d'image que j'aimais montrer pour montrer à quoi on a été confronté quand on traite des images scientifiques. Parce que cette image vous montre ici le Soleil qui est beaucoup plus gros qu'il ne devrait être, parce que ça a bavé, voilà. Et encore, il y avait un filtre adéquat pour couper un million de fois la lumière du Soleil, mais enfin quand même, normalement, il devrait être gros comme ça. Ça a énormément bavé, vous avez tout ça. C'est une image qui est transmise hein, par radio, évidemment, par des antennes. Il a fallu les recevoir, pixel par pixel. Et puis, vous avez beaucoup de bruit. Tout ça, c'est du bruit. C'est pas du signal. Normalement, on est dans le ciel, il n'y a rien. Donc, il faut nettoyer ce qu'on appelle la cosmétique. Hein, cosmétique, voilà, c'est un des mots que j'aime bien traiter. Cosmétique, ça vient de cosmos, puisque c'est l'ordre, c'est la beauté. Donc, on la retrouve dans nos trousses de toilette et on la retrouve aussi quand on traite nos images. On fait de la cosmétique. Ça veut dire qu'on nettoie cette partie de l'image. On voit d'ailleurs des traces là qui sont dues justement à la diffraction à cause de la présence du soleil. Et on isole, parce qu'on connaît d'abord la réponse dans ce cas précis, on isole quelque chose qui est là, à peu près aussi gros que tout ce qui pollue. Et ici également. Là, vous avez, vous reconnaissez, j'aime bien, vous reconnaissez Vénus. Et ici, c'est la Terre. Voilà. Donc c'était vraiment, dans ces années-là, les premières images de notre planète vues à de telles distances. Et je trouvais ça intéressant pour notre ego personnel de voir à quoi on ressemble, ne serait-ce qu'à 2 milliards de kilomètres. Voilà. Alors, je vous ai dit, bon, il faut interpréter.
les problèmes d'interprétation sont souvent compliqués. Ça induit des connaissances, des fausses connaissances. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les images de Planck, pas de Planck, mais avant, les images du bleu et du froid, du rouge et du chaud. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des simulations? Ça, c'est quelqu'un ici qui fait des simulations très famille, il n'est pas là. Alain, il est là? Ah oui, il est là. Il pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Quels sont les problèmes auxquels on est confronté quand on fait une simulation numérique pour représenter les résultats de la simulation? Ça, c'est un gros problème. Vous avez des énormes données, et puis il va falloir illustrer là-dedans, choisir dans ces données certaines données qui puissent nous parler, nous dire quelque chose. C'est tout un travail. Il faut d'ailleurs des logiciels pour arriver à extraire dans des données les données qui nous intéressent. Donc c'est tout un monde dans lequel l'IAP excelle tout à fait. On a vraiment des gens qui sont des vrais simulateurs. Vous avez simulation d'horizon, vous avez Alain qui travaille sur la simulation de ce que serait le monde vu autour d'un univers vu autour d'un trou noir. Voilà. Mais parfois, on obtient un chiffre une matrice de chiffres. Comment on va coder ça, hein? Quelle couleur? Imaginez que vous ayez ici, par exemple, la représentation de la température qu'il y a sur cette table. Bon, ça va être une série de chiffres. Comment vous allez coder ça? Vous allez représenter ça, vous allez avoir un chiffre de 100, 250, 220, 230. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5. Comment vous allez coder? Quelle couleur vous allez attribuer à 3? Quelle couleur vous allez attribuer à 1? Quelle couleur vous allez attribuer à 0? Et ça, c'est quelque chose qui m'a été un débat que j'avais eu avec Jean-Pierre Colonna, vous connaissez peut-être, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces problèmes de simulation. Vous pouvez trouver ce débat c'était un débat organisé par Universcience. Donc on débat tous les deux de ces problèmes et il expliquait ça. Il explique que pour quelqu'un qui fait de la simulation numérique, le choix des couleurs, c'est très difficile parce qu'on a des chiffres, et donc attribuer une couleur à un chiffre, ça pose toujours des vraies questions. Voilà. Voilà, ici, par exemple, bon, ça a paru naturel de noter que les régions les plus chaudes sont plutôt rouges et les régions les plus froides sont plutôt bleues. Mais en même temps, en faisant ça, on induit une notion qui est tout à fait étrange parce qu'on a l'impression que le contraste est important dans la mesure où le bleu, c'est très différent du rouge. Or, les fluctuations que vous voyez là, les différences d'un point à l'autre, ne sont que de 10-5, quelques 3, 10-5. Donc à quelques 10-5 près, c'est la même couleur qu'on devrait utiliser. Donc là, vraiment, là, on est dans une situation où représenter, coder, ça induit quelque chose qu'il faut absolument expliquer. Sinon, on va imaginer, bah oui, c'est normal, vous avez du bleu, donc là, c'est dense, boum, ça va fabriquer des étoiles tout de suite, c'était l'image telle qu'elle était il y a 300 000 ans après le Big Bang, voilà pourquoi on a... Ben non, justement, ce qu'on a découvert, c'est que ces fluctuations sont tellement petites qu'on ne savait pas, justement, expliquer pendant très longtemps comment et pourquoi, en si peu de temps, c'est-à-dire qu'en 15 milliards d'années, eh bien, les amas de galaxies avaient pu se produire, les galaxies avaient pu se former. Il a fallu réfléchir et trouver qu'il y a quelque chose qu'on ne voyait pas, qui était la masse noire, que cette fameuse matière noire a aidé à la structuration de l'univers. Donc vous voyez, cette image est porteuse d'énormément de choses, d'énormément d'informations, mais déjà au niveau du codage, il y a une question qui se pose. Là, c'en est un autre, c'est la simulation faite ici par Christophe Pichon. Ça montre des amas de galaxies, des super amas de galaxies, et ça ne montre pas les amas de galaxies, non, ça montre la quantité de métaux, d'éléments lourds produits par le fait que des étoiles se forment à différents endroits dans l'univers. Bon. Alors en gros, quand vous avez du noir, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de métaux qui ont été dispersés, quand vous avez du vert, il y en a beaucoup plus, du rouge, un petit peu moins. Voilà. Maintenant, c'est une représentation qui peut induire aussi d'autres images, l'imaginer d'une autre façon. Alors, ça, c'est pour le choix des couleurs. C'est très, très important. Maintenant, il y a un autre point qui est important aussi, c'est la résolution. Alors, la résolution, ça a joué des tours à énormément de gens, et parce qu'il faut savoir ce que l'on observe, avec quelle résolution. Il faut avoir du bon sens et de la vigilance quand on observe. Un des exemples qui a le plus fait parler de lui, c'est celui-là. Hein.
lorsque Viking 1 en 76 a survolé Mars, il y a eu cette image. Et voilà, il y a des gens qui sont venus expliquer qu'il y avait une tête sur Mars, donc il y avait des civilisations extraterrestres. Voilà, ça vous fait rire, mais vous vous rendez compte? Non, non, vous avez raison d'ailleurs de rigoler. Mais n'empêche qu'il y a eu énormément d'articles qui ont été écrits là-dessus, des gens qui ont cru dur comme fer que, et voilà. Et on ressuscite avec cette espèce de millefeuille argumentaire où chaque argument ne vaut pas plus que l'autre, mais il y en a mille et on peut pas, on n'a pas le temps de les dénoncer tous. Eh bien, vous êtes obligé de faire face à ça et de dénoncer ça. Donc il faut attendre, c'est tout, on n'a pas le choix. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec les dernières missions, eh bien, cette image qui est avec une meilleure résolution ne montre plus rien. En tout cas, il n'y a pas de. Voilà, c'est simplement Cydonia. C'est une montagne comme une autre. Hein. Mais ça, c'est un effet de la résolution. Ici, par exemple, vous connaissez ça. Ça, c'est Proxima du Centaure, petite étoile bien connue qui est là, qui est la plus proche. Plus proche de nous, on l'aime bien. Il faut quand même 4 années-lumière pour y aller. Mais quand vous voyez une image comme ça, vous vous dites, quand même, on est dans la Voie lactée, c'est bien, mais toutes les étoiles se touchent. Il y en a beaucoup. C'est d'ailleurs ce que Galilée dit. Hein. Galilée, il dit, mais tellement d'étoiles que je ne saurais jamais, je n'aurai pas jamais le temps de les compter. Ben oui, mais cette image est complètement fausse du point de vue de la représentation. Pourquoi? Parce que si vous faites par la pensée, le calcul suivant, le Soleil fait 1 million de kilomètres de diamètre. Vous le rapportez à la dimension d'une tête d'épingle. Hein, vous faites la carte Michelin de cette région-là. Toutes les étoiles sont ramenées à des têtes d'épingle, sont à une distance, c'est toute proportion gardée, de quelques kilomètres les unes des autres. Ce n'est pas du tout le sentiment que vous avez là. Vous avez l'impression que ça se touche. Hein. Donc en fait, c'est plein de vide. Ça, cette impression-là est simplement due au fait que lorsque la lumière arrive sur Terre, eh bien vous avez à la fois l'atmosphère et puis l'instrument lui-même qui étale l'image. Vous avez cette image-là, alors que vous devriez avoir une image 1 million de fois plus petite, hein, pour rendre compte vraiment des tailles respectives. Sans compter que les intensités sont des fausses intensités. Enfin, ce sont des vraies intensités, mais ne disent pas qu'une étoile est plus grosse que l'autre, ça dépend de la distance, il y a plein de choses. Donc ces images-là sont vraiment des pièges à interprétation. Et il faut les expliquer. Un autre exemple que j'ai emprunté à Alain Le Cavelier, qui est ici un de ceux qui recherchent les exoplanètes, est intéressant. Ceci est une exoplanète à droite, vous voyez, à peu près de la dimension de Neptune à gauche, eh bien, il y a plusieurs méthodes pour découvrir les exoplanètes. Une des méthodes consiste à repérer le moment où la planète passe devant l'étoile. D'accord ? Alors, on observe l'étoile. Et puis, évidemment, quand la planète va passer devant, l'étoile brille un peu moins. D'accord ? Ça a l'air très simple. C'est la technique du transit. Voilà ce que ça donne, en réalité. Hein ? C'est-à-dire que si je prends... ça, c'est le temps. Alors le temps, bon, 122, ce sont des jours. Hein. Il y a deux jours, là, 126, 128, 130, peu importe quel jour c'est, mais ça s'est fait sur plusieurs jours, et vous regardez l'étoile. Vous voyez que l'échelle, par rapport à l'intensité zéro, c'est 3 millions. Hein. On est à 3 millions, une intensité de 3 millions. Bon, donc c'est une étoile qui brille bien, et puis vous avez tout d'un coup un petit truc là, et un autre là. Ça, c'est le transit. C'est le moment où, effectivement, la planète est passée. Mais c'est jamais ça qu'on vous montre. On ne vous montre pas ça. Mais pour arriver à détecter ça, il faut énormément de stabilité dans l'instrument. Et d'ailleurs, maintenant, je vais faire une petite coupe. C'est-à-dire, je vais choisir, au lieu de me mettre au zéro, je vais regarder ce qui se passe entre là et là, et je vais isoler ça. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que ce qui me paraît, c'est plat, c'est pas plat du tout. En fait, et ce que je vois là, c'est l'étoile elle-même qui pulse, elle n'a pas toujours la même intensité, elle varie. Non, mais ça, on ne montre jamais, en général, parce qu'on n'a pas le temps, parce que bon. Et le transit, il est là. Hein. Et vous voyez que ça passe de 2,91, 10 puissance 6, à 2,92, 5, 10 puissance 6, c'est rien. C'est presque rien. Hein. Donc c'est vraiment une petite valeur. Alors, ensuite, on va montrer ça un petit peu mieux, on va isoler. Évidemment, de part et d'autre de ce côté-là, on va moyenner ça. On fait des tas de petites choses très, très sympathiques qui ne sont pas fausses, hein, mais qui sont... Voilà. Et on vous montre ça. En général, c'est tout ce que vous montre. Vous voyez, on a vu entre 124,7 et 124,9, on a vu l'intensité de l'étoile. Tout d'un coup, pouf,
Tout le monde a l'impression vraiment que c'est vraiment quelque chose de dramatique. C'est une grande différence d'intensité, alors que c'est une toute petite différence d'intensité. Alors, dire ça, c'est intéressant parce que je trouve, parce que ça permet d'abord bien d'analyser la manière dont on travaille. Ça veut dire que c'est une technique très complexe et qu'elle n'était pas faisable autrefois. Avec des plaques photo, on ne pouvait pas y arriver. On avait trop de fluctuations. C'est-à-dire qu'avec une plaque photo, vous auriez eu des fluctuations dans la plaque photo bien plus grandes que ce que vous observez là. Il faut une stabilité de l'instrument. Et puis, il y a même ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout d'un coup l'intensité de l'étoile augmente là? Est-ce qu'on doit y croire ou pas? Est-ce que ça a un sens ou pas? Donc, il faut savoir ce que c'est que le bruit. Le bruit, c'est-à-dire ce que j'ai montré dans l'image tout à l'heure où il y avait toutes ces petites taches blanches, là, c'était du bruit, ça n'avait pas de sens, pas de signification, c'est simplement le détecteur lui-même qui chauffe pas. Eh bien, il se trouve que ça, ça a un sens. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'exoplanète, la planète qui passe devant le Soleil, passe aussi sur une tache de l'étoile. Donc, du coup, l'étoile apparaît momentanément un peu plus brillante puisque la tache est masquée. Donc on masque deux fois, si vous voulez. Donc il y a, pendant une brève période, un surcroît d'intensité très très faible, hein, parce que ce ne sont pas des grosses taches quand même. Alors vous allez me dire, on ne les voit pas les taches. Oui, c'est une interprétation. Mais c'est une interprétation qui est plausible et qui a été répétée et qu'on retrouve plusieurs fois. Après, il y a aussi le temps. Donc il faut la résolution temporelle. Quand on ne voit qu'une fois, on peut toujours imaginer que c'est quand même le détecteur qui s'est mis à chauffer ou à donner un signal. Donc vous voyez c'est une autre façon de voir ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors ça, voilà une autre image, très jolie image qu'on voit dans beaucoup de calendriers autour de Noël, qui sont prises au CFH ou ailleurs, et c'est effectivement, on est dans la Voie lactée, on a de jolies étoiles qui viennent d'apparaître, qui se sont formées il n'y a pas très longtemps, quelques millions d'années, et comme elles sont très chaudes, eh bien, elles ionisent le gaz qui est tout autour, hein, et ce gaz, lui, il est généreux, mais il ne garde pas tout pour lui, il rétrocède une partie de cette énergie dans un rayonnement qu'on connaît bien, qui s'appelle H-alpha, hydrogène alpha, et qui est caractérisé par cette couleur rouge. Et puis en plus, il y a des régions comme ça, très opaques. Voilà. Alors comment on interprète tout ça? On dit quand même, ces régions opaques sont des régions de poussière, énormément de poussière. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce sont des régions de poussière. Mais peut-être que vous avez l'impression que si vous étiez dans ces régions-là, vous seriez aveuglé par de la poussière, vous ne pourriez pas faire un pas devant l'autre, etc. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Là, si on vous place là-dedans avec un vaisseau spatial, eh bien, vous découvririez effectivement qu'il y a beaucoup de poussière, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un grain de poussière de quelques 50 microns. La poussière, il y a un spectre de grandeur, hein, ça va quelques petits microns à des centaines de microns. Mais disons, je vais simplifier, je vais dire que c'est 50 microns. Eh bien, vous allez trouver un grain de poussière tous les 5-6 km. Et vous êtes dans un endroit très poussiéreux. Voilà. Donc, et pourtant, ça donne ça. Donc, ça vous donne quand même, là, effectivement, le sentiment là, de le vertige de la profondeur. C'est parce qu'on est dans des zones extrêmement profondes. Et là, quand vous êtes dans cette région-là, vous allez dire, mais c'est éblouissant. Si j'étais là, comme ça, tout seul, avec mon petit masque, livré à moi-même, je serais baigné dans la lumière rouge. Pas du tout. Non. Vous verriez un photon H-alpha à peu près une fois toutes les semaines passer devant vous. Ça, c'est ça, la réalité. Voilà, voilà, ça, c'est le ciel, vous voyez. Bon. Eh bien, c'est comme ça. Donc, c'est important de savoir notion d'échelle, notion de profondeur, notion d'intensité, qu'est-ce que ça veut dire. Ici, par exemple, c'est une très jolie image prise par le télescope Hubble, qu'on connaît tous, le champ profond de Hubble, pris à travers des filtres qui permet effectivement de sélectionner les galaxies les plus lointaines parce qu'elles apparaissent les plus rouges. Et là, on a mis un filtre rouge exprès pour les détecter. Et donc, on reconstitue l'image comme ça pour faire joli. Mais c'est vrai que ça aide. Hein. Je ne dis pas que les images sont inutiles. Je ne suis pas là pour faire la critique des images. Au contraire, elles aident, parce qu'elles apportent de l'intuition, elles sont importantes. Mais regardez, en fait, à quoi correspond cette image? Il faut voir que, spatialement, on pourrait croire que c'est une région du ciel comme une autre, mais pas du tout. Regardez à quoi correspond, je pense, certains nombres déjà l'avoir vu. Regardez à quelle fraction du ciel cette image correspond. Voilà.
Voilà. C'est intéressant. Voilà. Donc, le ciel, c'est ça. Hein, c'est ça, mais néanmoins, on n'est quand même pas très loin des limites où on peut observer. Et c'est pourquoi la nuit est noire, même quand le soleil est parti, justement parce qu'il n'y a pas dans l'univers observable suffisamment d'étoiles et de galaxies pour que le fond de ciel apparaisse brillant. Et on le voit bien avec un télescope comme cela, et on le voit bien avec d'autres télescopes, et en plus, l'univers est en expansion, etc. Mais ça touche à ça. Voilà, donc là, c'est intéressant, cette image, savoir à quelle échelle on parle. Hein. D'autant plus que, lorsque l'on parle, à quoi correspond cette région du ciel vis-à-vis de l'autre image que j'ai montrée tout à l'heure, celle de Planck, qui, elle, montre tout le ciel en même temps. Hein. L'image de Planck que vous avez vue, je ne vais pas revenir, vous la connaissez bien, c'est tout le ciel. Donc les grumeaux que vous voyez sont bien plus importants que l'image que je viens de montrer ici. Donc, mettre les choses ensemble. Voilà. Alors il y a aussi le choix, donc je vous ai parlé le choix de l'échelle, hein, on l'a dit, spatiale, temporelle, intensité, et puis la gamme de longueur d'onde. La gamme de longueur d'onde, c'est aussi quelque chose, il faut savoir à quelle longueur d'onde on travaille. Alors il y a ça, par exemple, cette image, eh bien, qui montre aussi que c'est une question de point de vue. Je pense que vous connaissez, hein, beaucoup d'entre vous, cette image, puisque je l'ai vue utilisée par d'autres orateurs. Ce sont deux galaxies qui sont en interaction. Il y en a même trois en interaction. Celle-là, celle-là et celle-là. Vous allez me dire, bon, bah, pourquoi, comment, elles sont en interaction, elles ne se donnent pas la main. Ben, si, d'une certaine façon, elles se donnent la main. Parce que lorsqu'on change d'optique et qu'on travaille avec, en 21 cm, avec 21 cm, permet de comptabiliser et d'observer le gaz neutre à partir duquel les étoiles se forment, et c'est extrêmement important. Ça a permis de comprendre évidemment énormément de choses, puisque c'est l'élément principal le plus abondant de l'univers. Et bien quand on fait cela, voilà, et bien quand on prend avec un radiotélescope, et bien on reconnaît notre trio, hein, là, que l'on voit en optique, mais tout ce que vous voyez là, c'est un codage de l'intensité de l'hydrogène qui se trouve dans cette région-là. Et on voit bien que ces trois galaxies sont connectées, hein, sont des galaxies spirales. On reconnaît bien d'ailleurs effectivement que l'hydrogène est très importante là où il y a des bras spiraux. Et puis on voit bien qu'il y a des ponts de matière, des ponts qui relient ces trois unités. Il y a même d'ailleurs du nuage qui est tout seul là, peut-être quelque chose ici, je ne sais pas. Et il y a des débris de... voilà. Donc vous voyez que ça change complètement notre vision. On dirait presque qu'il s'agit d'autre chose en réalité. Donc c'est le problème du point de vue dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est nous versus l'objet observé. Ce point de vue, il ne faut pas l'oublier. Hein, celui-là, par exemple, c'est un autre point de vue. On voit une galaxie, qu'est-ce que ça induit dans l'esprit de ceux qui regardent cette image ? On peut croire que c'est quelque chose qui tourne, c'est pas du tout quelque chose qui tourne, c'est pas ça. Il y a effectivement un disque qui tourne, ça tourne pas comme un disque dur, il y a une onde de choc, il y a des zones différentes qui ont des vitesses différentes, donc c'est très très complexe. Et pourtant, vous avez l'intuition là de quelque chose qui est... voilà, cette image donne des intuitions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc le bon sens n'est pas forcément d'une grande utilité quand on voit des images comme celle-ci. Celle-là aussi, celle-là est bien connue quand même. Hein, cette image vous donnerait l'impression que vous avez quelque chose qui part vers la droite, alors que rien ne prouve que c'est le cas. Vous avez des comètes qui se promènent avec la queue devant. Hein, tout dépend de l'endroit où se trouve le Soleil. Bon, donc attention à ce que suggère une image. Là aussi, c'est quoi ? C'est un satellite ? Ben non, là c'est la Terre vue par Rosetta d'ailleurs, hein, c'est très très joli. Bon, celle-là, c'est pas très compliqué d'imaginer que c'est la Terre si on regarde un petit peu bien ou si on est renseigné, mais ce qu'elle nous dit quand même, elle nous ajoute hein, l'information qu'on sait déjà, hein, que la Terre est une planète isolée, et c'est la nécessité, là je voulais juste mettre l'accent sur le fait qu'il faut toujours commenter les images. On vit dans un monde d'images qui sont utilisées, dévoyées et rarement commentées. Celle-là a été utilisée plein de fois dans la publicité, dans plein de choses. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est une planète, et du coup, on fait de la planétologie comparée. Cette notion que la Terre est une planète vient quand même de la conquête spatiale. Je pense qu'avant, on le savait, mais ça lui a donné un relief tout à fait nouveau et vigoureux. On voit bien qu'elle est bleue comme une orange, hein, pour reprendre les termes du poète. Qu'elle est seule, qu'on n'a pas d'autre choix,
que la quantité d'eau est importante. C'est la planète bleue, c'est la seule. Toutes les planètes du système solaire n'ont pas ça, sauf peut-être d'autres planètes, c'est pas le bleu qui est dû à l'eau. Et j'avais un dernier truc à dire à ce propos, je ne sais plus. Ah oui, que quand même, c'est peut-être la première fois qu'on voit, nous sommes les premières générations, à voir que la Terre est ronde. Nos grands-mères nous devaient le croire sur parole. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de... Cette vision de la Terre ronde date des années 70. Avant, on le pensait, mais on n'en avait pas eu la preuve aussi directe. Voilà. Alors, les enjeux sont importants, hein, tout ce qui concerne l'image. Ça permet la visualisation aussi. C'est souvent une aide pour le chercheur aussi de visualiser des images, quand il connaît évidemment ce qu'il visualise. Avec toutes les... Ça peut aider l'intuition. Dans certains cas, pour des raisons diverses et variées, c'est une obligation. La NASA fournit des images, elle les fournit au public de manière obligatoire et statutaire. Mais il faut savoir, ces enjeux vont être mon résumé, que l'image n'est jamais un processus neutre et que ce n'est pas un double de l'objet. Ça fait partie de l'objet, mais ça dépend de la relation qu'on a avec cet objet. Et c'est la raison pour laquelle elles sont importantes quand même si parfois elles ne servent pas réellement dans l'élaboration d'un article scientifique, il y a des images. Un des meilleurs exemples, c'est un des articles de Hubble sur NGC 6822, où il décrit sa galaxie, il décrit un certain nombre de choses, et il utilise une image. Mais l'image n'est absolument pas utile dans son article. On ne sait pas à quoi ça sert. Elle est là parce qu'il sent qu'il a besoin de mettre cette image. Donc, c'est vrai que ces images soutiennent l'intuition, hein, que la raison ne peut pas fonctionner tout seul, il faut que l'émotion soit là. Et c'est d'autant plus vrai que l'abstraction de la science va grandissant, donc on en a d'autant plus besoin. Et c'est pour ça que je salue le travail qu'a fait Alain Riad Zuelo, qui est ici, sur les trous noirs, parce qu'un trou noir, a priori, c'est abstrait, on ne touche pas ça comme ça. Et c'est vrai, je peux dire cela, de bien d'autres domaines qui sont représentés à l'IAP ou ailleurs. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez des questions. Bon, merci. Merci. Donc, toutes les images astro sont fausses, ou au moins arbitraires. Non, je n'ai pas dit que c'était faux, j'ai dit que c'est un point de vue. Oui, un point de vue, c'est complémentaire, c'est partiel. Par exemple, quand sur Hubble, on voit un nuage d'hydrogène, on le met en rose. Moi, je pourrais aller à Photoshop et le mettre en vert. J'ai le droit. Oui, mais à ce moment, il faut quand même que tu rendes... Mais je mettrai légende vert hydrogène. Voilà, il faut quand même que tu rendes ton codage explicite. Mais si on prend le rouge pour H-alpha, c'est parce que H-alpha tombe justement dans ce domaine. Il faut être un peu logique. On parle quand même n'importe quoi. Voilà. Ouais. Mais quand même, ceci dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, ça finit par donner à beaucoup de gens l'idée qu'on voit les choses comme ça. Voilà, On les voit quand on regarde, même quand on regarde dans un télescope puissant, on voit rarement les couleurs. On peut deviner un petit peu de... Vous avez même dans vos bons télescopes d'amateurs, vous voyez quand même quand une étoile est vraiment rouge, jaunâtre, vous la voyez assez jaune. Justement. Une étoile, des fois on dit bleu, vous voyez légèrement bleuté, mais ça n'a rien à voir avec ça. Dans le même ordre d'idée exactement, pour le fond diffus cosmologique, on a choisi de faire le chaud rouge et le froid bleu comme pour les robinets, alors que chacun sait que pour Albireo, l'étoile bleue est chaude et l'étoile froide est rouge. Donc on aurait pu, pour le fond diffus, quand même choisir autre chose. Mais finalement, au bout d'un moment, ça n'a pas d'importance, mais si on vraiment l'explique. Mais c'est vrai que cette nécessité de codage, effectivement, doit être tout à fait présent. Mais bon, ça c'était un des aspects, le codage. Mais vous savez qu'il y en a d'autres. Hein. Ce que j'ai évoqué sur la... Je trouve assez significatif, une étoile, un milieu dense, qu'est-ce que ça veut dire? Une population d'étoiles dans le ciel, qu'est-ce que ça veut dire? On oublie vite que ce sont des tâches qui ne sont pas du tout à la bonne distance, qui sont pas... Il y a plein de facteurs, mais c'est comme ça.
Une autre question, qu'est-ce qui préside au choix des couleurs dans l'ordre chromatique ou dans l'ordre d'énergie? Et une deuxième question, pourquoi visualise-t-on les rayons X en rouge et la matière noire en bleu, par exemple dans le boulet Oui, c'est vrai que les rayons X, d'habitude, c'est parce qu'on se dit c'est très chaud, c'est du gaz chaud. Alors le gaz chaud, on donne cette impression de chaleur en prenant des couleurs jaunes. Effectivement, voilà, mais ça c'est... On joue sur l'émotion, et puis l'émotion, c'est que intuitivement, les choses sont chaudes quand elles sont rouges. Voilà, si vous mettez des rayons X bleus, ça va faire bizarre. On va confondre très rapidement avec le rayonnement ultraviolet qu'on code aussi en bleu, alors que l'ultraviolet est évidemment invisible. Donc il y a des choix à faire. On s'y retrouve, hein, mais c'est vrai que ce sont des choix qui sont relativement arbitraires, mais qu'on finit par connaître, qui ne conduisent pas à des erreurs scientifiques. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Hein. Ne vous détrompez pas. Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce que j'ai dit là s'applique à tout ce que vous regardez à la télévision quand on vous informe. Et dans la vie, qu'est-ce qu'une image? C'est surtout par rapport à la notion d'image que j'ai voulu... l'astronomie se prête bien à cela, parce qu'on est toujours obligé de faire ces choix-là. Mais quand on fait un choix, eh bien, il faut après discuter de ces choix. Il y a une grande partie des discussions en astronomie qui touchent à ce qu'on appelle les effets de sélection. Hein, parce que vous avez choisi, par exemple, de regarder une région du ciel avec un filtre rouge, eh bien, vous avez des propriétés, des as que vous avez là, vous mesurez leur densité, leur quantité, après vous allez vous dire, bon, attention, je dis que toutes les étoiles sont bleues, par exemple, toutes les étoiles sont rouges, les étoiles de telle masse sont rouges. Mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il y a des étoiles qui sont bleues et qui ont les mêmes propriétés, mais évidemment, celles-là, je ne les ai pas vues puisque j'ai pris un filtre rouge. Donc il faut travailler sur, il faut avoir bien à l'esprit, et ça, c'est vraiment un souci majeur de pratiquement toutes les analyses que l'on fait, toutes les campagnes d'observation qu'on fait, au moment de l'analyse, de discuter les effets de sélection, qui sont dus au protocole que l'on introduit. Ça ne met pas en cause le protocole, mais ça veut dire que notre travail se fait dans certaines limites. Voilà. Vous savez par exemple que des étoiles de plus petites que telle masse ne vont pas être, ou plus grandes que telle masse ne seront pas vues parce qu'elles sont très rouges, très bleues, et donc vous avez sélectionné que des étoiles de, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça, le tiers de la masse solaire à deux fois la masse solaire. Avec certains films, c'est ces étoiles-là que vous voyez, pas les autres. Donc il faudra tenir compte de ces effets de sélection. Vous avez parlé des photons qui, dans certains coins de l'univers, arrivent au compte-gouttes, pratiquement à quelques photons par seconde ou par minute. Vous n'avez pas parlé des temps d'observation et de la stabilité pour cumuler et obtenir une image sur les CCD. Quand on observe à des grandes distances, quelle est la cadence d'arrivée des photons? C'est de l'ordre de... Alors ça dépend, 10 puissance 3 par seconde ça, ou... ça dépend de la source, ça dépend du filtre. Si vous regardez en lumière, si vous regardez presque tout le spectre visible en même temps, comme s'il n'y avait pas de filtre, bien vous avez beaucoup plus que si vous prenez un filtre très étroit où vous sélectionnez une bande. Par exemple de rouge mais très étroit, ça dépend de la taille du télescope, ça dépend de la source que vous observez. Alors pour regarder des sources extrêmement lointaines, des galaxies très très lointaines ou des quasars, des choses comme ça, eh bien on est dans des registres, d'ailleurs c'est ça qui nous intéresse, hein, les astronomes sont quand même des explorateurs, on ne s'amuse pas à regarder des choses qui sont faciles à regarder, on cherche toujours à aller plus loin et plus compliqué, et même si on nous donne des joujoux plus performants, on va les utiliser pour faire encore des choses plus compliquées. Donc on est toujours insatisfait, c'est la règle du jeu. Eh bien, on travaille toujours à la limite de sensibilité, et dans ces cas-là, on peut dire qu'on peut être dans des registres où on compte le photon. On les a un par un, le comptage de photons. À la seconde, quoi, peut-être. Oui, oui, comptage de photons, c'est un photon par seconde, ou parfois moins, hein. Parfois vous pouvez avoir un photon qui arrive de temps en temps, vous avez des récepteurs qui reçoivent... Le rayonnement cosmique, par exemple, c'est une autre technique. Quelqu'un est venu il n'y a pas très longtemps, Kumiko Kotera, nous raconter que sur une surface de 100 km², ils attendent quelques événements, non,
Ils attendent en un endroit donné quelques événements par siècle, donc on prend tant de kilomètres carrés, je ne sais plus combien, 10 kilomètres carrés, quelque chose comme ça, et du coup, ben, on augmente la possibilité d'avoir quelques événements, mais c'est quelques événements. Ça dépend de la nature du détecteur, de la nature du phénomène, de la nature de l'objet. Dans le domaine visible, on arrive à, effectivement, dans certains domaines de longueur d'onde étroite, à avoir quelques photons qui arrivent par seconde. Et une photo qui peut-elle se constituer en plusieurs jours et si elle se constitue en plusieurs jours, est-ce que ça ne pose pas de graves problèmes de stabilité? Est-ce qu'on peut vraiment affirmer que les points correspondent? Mais ça, c'est toute la magie d'observation. Et voilà, on est toujours sur un fil. J'ai le souvenir du fameux 5 mètres de Palomar, télescope 5 mètres de Palomar, quand les observateurs comme Humason et Hubble essayaient de mesurer, vous savez, la récession des galaxies en fonction de leur distance, ils avaient mis un spectrographe très très peu dispersif au foyer primaire, c'est-à-dire tout en haut. Il y a plusieurs foyers dans un télescope. Hein. Si vous placez le récepteur tout en haut, là où vraiment la lumière se condense, hein, vous perdez le moins de lumière possible, vous mettez l'instrument là. Vous pouvez mettre un spectro qui étale la lumière, mais très très peu. Plus vous dispersez, évidemment, vous avez de photons par élément, hein, donc très peu dispersif. Et là, il fallait poser, donc pour avoir la mesure du rougissement, donc d'éloignement de la galaxie en question, eh bien, il fallait parfois 2 jours. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de plus d'une nuit. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils observaient 5 ou 6 heures, hein, le temps de suivre Ils refermaient délicatement l'obturateur du spectrographe, ils redescendaient dans les escaliers, tout ça, ils laissaient le télescope comme ça, et le lendemain, ils repositionnaient le télescope au même endroit, enfin non, pas au même endroit, puisque ils reprenaient depuis le début, ils rouvraient le truc, puis ils continuaient à accumuler. Hein, voilà. Maintenant, on fait beaucoup plus facilement que ça, on n'a pas besoin de... C'était sur la même plaque photographique. Donc si la plaque avait bougé, s'il y a eu des problèmes de dilatation, n'importe quoi, évidemment, vous auriez eu quelque chose de complètement flou. Donc il fallait de la stabilité thermique, il fallait beaucoup de choses, des dynamiques mécaniques. Mais ça a été fait. Alors aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Aujourd'hui, avec les CCD, on multiplie les images, on les accumule, et puis donc après, il suffit que chaque image doit être sommée avec une autre. Des images numériques cette fois, c'est l'ordinateur qui les recentre, qui les recadre. Il y a des étoiles dans le champ qui permettent de recaler exactement, ça a pu tourner, ça faisait tout un travail là d'analyse très compliqué. On regarde effectivement, on prend des étoiles de référence dont l'intensité est connue pour savoir si la sensibilité a changé. Enfin, il y a tout un travail d'analyse extrêmement complexe, mais il y a des milliers d'images qui peuvent être prises pour ensuite être accumulées, ce qu'on appelle du stacking, pour obtenir effectivement l'image que vous voulez, avec la sensibilité que vous voulez. Oui, et les bras spiraux des galaxies spirales qui s'écartent, enfin qui ont une envergure de plusieurs milliers d'années-lumière, à ce moment-là, que veut dire une photo? Puisque à moins de considérer que la photo est prise, à moins de considérer que la galaxie spirale et sur une calotte sphérique, on n'est pas en train de voir à ce moment-là des photos de la spirale au même instant. Vous voyez, entre le cœur et les bras spiraux, il peut y avoir des milliers d'années. Oui, mais ça, c'est... Par conséquent, on est dans le cas d'une photo qui est à la fois photoclip. C'est-à-dire qu'en profondeur, effectivement, vous n'avez pas... C'est-à-dire que moi, si j'avais une envergure de quelques milliers d'années-lumière, si j'écarte les bras, bien qu'ils soient droits, mes bras, ils vous paraîtraient spiraux. Oui, je comprends. Vous voyez, parce que mes mains sont en retard. Oui, non, mais effectivement, l'épaisseur de la galaxie est bien inférieure au temps qu'il faut pour... En fait, vous avez combien là, La rotation d'une galaxie est très lente. Oui, il faut 200 millions d'années, par exemple, pour que le Soleil tourne autour. Donc, c'est pas... En fait, c'est pour le système
lui-même, c'est pratiquement une photo, une image instantanée, mais avec des différences temporelles, mais qui ne, n'affecte pas la dynamique de l'ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment en tenir compte alors qu'on ne sait pas quelle est la vitesse de rotation d'une galaxie, parce qu'on n'a pas un recul suffisant. On a ces mesures. On a une épaisseur temporelle de 100 années, par exemple. On a un recul de 100 ans sur avec les télescopes, pas plus. Pour répondre à ce point particulier, la dynamique de la galaxie, quand même, sur des chaînes de temps beaucoup plus longues que les décalages temporels qu'on aurait simplement aux différences de distance. Donc il n'y a pas un objet qui serait déformé par effet relativiste dans ce sens-là. On n'a pas le temps. Ce n'est pas en une journée qu'on a le temps de voir. Essentiellement, pour toute l'extragalactique, l'univers ne bouge pas. Il n'y a rien qui... Enfin, de notre les distances sont telles qu'on ne voit rien bouger alors que tout bouge énormément. Mais ce n'est pas ce que l'on voit, effectivement. C'est une des raisons pour lesquelles. C'est une des raisons pour lesquelles Einstein a eu tant de mal à accepter l'idée d'un univers non statique, parce qu'on n'avait pas d'évidence que l'univers était en évolution, un petit peu en évolution, mais on pensait que c'était très local et très. Mais on ne pensait pas que ça affectait l'ensemble de l'univers. Merci. Je voudrais juste comprendre comment, dans une photo, on mesure souvent ce dont on entend parler, le redshift. C'est-à-dire qu'un photon qui voyage, je crois qu'il se décale avec le temps. Voilà, oui. Et comment on sait qu'il est très décalé, ce photon, ou qu'il ne l'est pas beaucoup, dans une photo ? Bien, c'est parce que moi, je n'ai pas d'image ici, mais... Alors, on le fait parce que dans le spectre que l'on analyse... Vous avez des petits repères spectraux qui sont bien commodes à voir. Vous avez des trous, ce qu'on appelle des absorptions dans la répartition de la lumière, ou des émissions qu'on a identifiées, parce que c'est dû à des éléments qui existent aussi dans nos laboratoires, par exemple le calcium. Et donc, dans les étoiles, effectivement, présentent dans leur spectre très souvent une raie d'absorption, une déficience en lumière, dans une position bien précise, qui est 3933 angstrom, par exemple, c'est le calcium. Bon, ça, c'est dans les étoiles sont au Soleil, par exemple, on voit ça. Maintenant, si vous projetez très loin dans l'univers, dans une galaxie, les étoiles qui ont ce même spectre que le Soleil vont aussi avoir, effectivement, cette déficience-là, mais ça ne va pas se produire à 3933 angstrom, là où on mesure, ça va se produire beaucoup plus loin. À 4950. Donc c'est à une longueur d'onde plus grande. Et cette longueur d'onde plus grande signifie effectivement éloignement. De la même manière, vous savez, c'est l'analogie avec ce qu'on appelle l'effet Doppler, même si ce n'est pas tout à fait un effet Doppler, même pas du tout. Lorsqu'une source s'éloigne, la longueur d'onde du signal qui est émis nous apparaît beaucoup plus grand que ce qui a été émis par la source. Donc c'est comme ça qu'on mesure. On compare une étoile de notre voisinage avec une étoile très lointaine, et on voit que la position des structures, la position des absorptions ou des émissions est décalée systématiquement vers le rouge. Et donc on mesure exactement cela, et on le traduit en vitesse. Exactement de la même manière dans les voitures, dont la police vous arrête, parce qu'elle envoie un signal qui revient avec un décalage. Ce décalage, plus il est grand, plus ça signifie que vous allez vite. Exactement de la même façon. Une analogie. Une question derrière. Il existe, nous, quand on prend une photo, on cherche la mise au point, et il y en a en Allemagne, il y a des appareils qui sont vendus, c'est assez cher. Ne vous souciez pas de la mise au point. Vous faites votre machin sur le cadre que vous voulez, et c'est après, petit à petit, quand vous développez avec le système allemand, vous avez plan par plan. Alors, je suppose que ça doit être un système qui, quand même... estime la distance de la chose que vous voulez observer par un espèce d'effet aller-retour. Là, vous n'allez pas envoyer un signal sur l'étoile de vos rêves afin de vous placer à la bonne distance. Vous allez régler à l'infini, en fait, parce que tout ce que l'on observe dans le ciel est à l'infini. Donc, vous faites une mesure, vous arrangez pour que, effectivement, votre télescope, l'ensemble de votre télescope, met au point à l'infini. Ça, c'est fait, ça peut être fait sur des sources... très, très facilement. Sur une étoile, on essaie d'obtenir la plus piquée possible. On garde l'image, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise le CCD, on prend une position des miroirs qui est ce qu'elle est au moment où on ouvre, et ensuite on fait varier la position du miroir, on prend à chaque fois un cliché, et on voit des images de l'étoile en question, elles sont comme ça.
Voilà, elles font comme ça. Alors, on fait plusieurs pauses. Voilà. Puis après, voilà. Et donc, on repère que la meilleure position, c'est celle qui correspond à la forme la plus petite. Il faut que l'étoile soit le... faut que l'image soit la plus piquée possible, bien entendu. Sinon, si elle s'étale, ça veut dire qu'on n'est pas au point. Donc, on fait comme ça, on fait une série d'images répétées, hein, jusqu'à ce qu'on obtienne la position optimale. Mais il est évident que le télescope est à peu près réglé, quand même. On n'est pas complètement... Les images que vous présentez sont de l'observation. Donc, il y a des appareils, des télescopes, Hubble... Toujours, il y a des simulations. Voilà, alors justement, je voulais en venir là. Moi, j'ai vu des images récentes où on voit un modèle d'univers, on dirait une éponge, avec des... Bon, ben, c'est clair. Et puis, le dernier que j'ai vu qui m'a absolument étonné, c'est le... Je ne sais pas comment... Je ne m'en rappelle plus le nom, mais Kilo-Néa ou un truc comme ça, qui est le fameux super-amas. Alors j'ai vu une animation avec un attracteur étrange. Alors ça, c'est quand même, c'est des images uniquement de synthèse. Alors. Ah oui, ce sont des images voilà, de synthèse. Ça n'a plus rien à voir avec l'observation. Non, ça n'a plus rien à voir, mais on cherche à faire en sorte quand même qu'il y ait une certaine adéquation. Dans le cas des structures à grande échelle, vous parlez des structures à grande échelle, oui. On a des données objectives qui sont les images prises par des grands relevés, ce qu'on appelle les grands relevés astronomiques, comme ce qui est fait avec le télescope franco-canadien à Hawaï, ou ce qui est fait à Vista, ce qui est fait un peu partout au Chili. Donc ce sont des grands champs, c'est plus d'un degré, et puis ensuite on fait aussi, pour chaque... on obtient des galaxies, mais on ne sait pas à quelle distance elles sont, donc après la deuxième étape, c'est de les prendre une par une, pas forcément une par une, on a des techniques multi-objets, mais on essaie de connaître leur décalage vers le rouge. Donc on a une représentation 3D de tout ça. Et donc on se fait, c'est comme ça qu'on a découvert les filaments, c'est comme ça qu'on a découvert les vides. Et alors ensuite, bah on essaie de modéliser cela en se disant, voyons, qu'est-ce qui est à l'œuvre? Ben c'est le grand maître de balai, c'est la gravitation. D'accord, mais qu'est-ce qui est sensible à la gravitation? Ben, toutes les étoiles, toutes les galaxies qu'on a vues. Est-ce suffisant? Alors on regarde, on essaie de simuler combien de temps avec la loi de Newton ou la relativité générale, combien de temps ça mettrait pour se... On trouve que ça ne marche pas. Il nous faudrait 100 milliards d'années alors qu'on n'a que 15 à notre disposition. Donc ça va pas, il faut autre chose. C'est là que, ah oui, mais attention, il y a de la matière noire dont on n'a pas tenu compte. Donc on a introduit la matière noire et donc on va la distribuer comment? Donc on va se poser cette question. Et puis on a de bonnes raisons de savoir comment elle se... Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait des modèles et on regarde, on laisse partir l'ordinateur et puis on va se coucher, on revient le lendemain matin, il nous donne une vision de l'univers qui ressemble ou ressemble pas. Voilà. Plusieurs mois plus tard. Bon, bon je ne veux pas polémiquer avec les théoriciens, nous, on travaille plus vite que ça, mais bon. C'est ça, mais ce que je voulais contrôler, c'est que quand même, les images qu'il y a par l'observation sont en liaison avec ces modèles. Oui, bien sûr. C'est ça que c'est important. Je me demandais s'il n'y a pas un écart complet. Dans un cas, c'est magnifique, et dans l'autre cas, c'est uniquement... Ah non, ça ne marche pas toujours. Il y a des fois, on se pose des questions. Ce n'est pas représentatif de ce que l'on croyait, donc on change le modèle, etc. Mais aujourd'hui, on se dit, par exemple, que la matière noire ne peut pas être majoritairement due à des neutrinos parce que les modèles vous donnent quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est observé. Ça ne peut pas être non plus quelque chose de trop froid, c'est-à-dire qui bouge très peu et très lourd, parce que là, on obtiendrait trop de petites structures, ce qui est contredit par les observations. Voilà, c'est comme ça qu'on ajuste et qu'on se pose, qu'on approche un peu la vérité. Alors j'ai une question pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on fait partie du grand public, où est-ce qu'on peut trouver les légendes des différentes images qu'on nous montre? Parce qu'en général, on nous montre l'image toute seule, mais on ne nous dit pas telle couleur correspond à telle chose. Quand même, en général, on essaye, quoi. Enfin, je sais pas, moi, quand je vois des images, c'est rarement légendé. Enfin, Bon, c'est un peu pour ça que j'ai expliqué tout ça, mais... soit on va à la source, soit on parle avec d'autres astronomes. Non, mais je sais pas. En général, normalement, on essaye d'expliquer, mais... Parce que dans les journaux, c'est pas forcément écrit, en fait. Ouais, bon, ben, ça dépend de l'auteur, ça dépend... La NASA, oui, doit donner des détails. Ça dépend des institutions, ça dépend de l'astronome, ça dépend de plein de choses. Mais par exemple, Planck, ils font bien les choses. En général, ils expliquent, ils donnent les échelles, ils donnent les températures, ils donnent... voilà. On doit faire ça, en principe.
sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, puisque tu parles de Planck, tu vas pouvoir enrichir ton bestiaire d'images. Donc tu sais qu'hier, il y a eu des nouveaux résultats, en particulier de la polarisation. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire une image de polarisation? Voilà, voilà. Comment tu vas? Oui, voilà. Eh oui, parce que là, c'est une autre quantité. Ça ne se mange pas, la polarisation. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Hein. Bon, on sait ce que c'est, mais c'est vrai qu'on n'a pas une représentation. Il faut à la fois une intensité et une direction. Voilà, une intensité et une direction. Bah oui. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on montre l'intensité et puis on met des petites flèches dessus. Hein. Mais on voit bien qu'il y a... Voilà, bah on peut mettre des petites... On peut faire... Mais vous voyez, c'est compliqué, effectivement. J'ai de la chance avec Planck et côté à droite. J'ai le souvenir d'un... C'est là qu'on peut encore une fois remercier nos amis du CERIMES. Parce que si vous cherchez, parmi toutes les conférences qui ont été faites, je me souviens d'une conférence faite par Étienne Klein sur la matière, je crois que c'est lui qui a fait ça, où il expliquait qu'on est arrivé à un moment de représentation de la matière tellement fin, une représentation tellement fine de la matière, qu'on arrive évidemment à des précisions étonnantes, mais que du coup, on perd toute possibilité de se la représenter. C'est-à-dire qu'effectivement, on est obligé d'abandonner l'idée de l'atome avec sa bille qui tourne autour, ça fait longtemps. On a remplacé par les fonctions d'onde, donc c'est un nuage de points, bon, ça c'est un petit peu plus facile à se représenter, mais même ça ne va pas. Et aujourd'hui, ce sont des matrices de points qui donnent les représentations les plus fidèles de la matière. Donc d'une certaine façon, on dématérialise la matière pour mieux se la représenter, mais pour être fidèle à une certaine réalité. On est dans ce degré d'abstraction qui est le prix à payer pour être au plus proche des phénomènes. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Oui, c'est pour rebondir à une remarque du monsieur qui était là-bas. Alors, d'une manière très générale, la physique, l'astrophysique, c'est quoi? C'est observer des images. Hein. Bon. On observe des images, des phénomènes, on ne voit pas l'objet lui-même, on n'est pas à côté. Et donc, l'image peut éventuellement être déformée ou pas, comme vous l'avez dit, pour des différences temporelles ou toutes sortes de choses. Quand je vois un bâton plongé dans l'eau, il me paraît brisé. La question est de savoir est-ce qu'il est vraiment brisé ou pas. Alors, si j'ai pas de... ce qu'on fait, on analyse l'image. Alors, on se pose, est-ce que le bâton est brisé ou pas réellement? Si j'ai aucune... possibilité de savoir qu'il est tout droit, mon bâton, eh bien, je suis obligé de dire, je le vois brisé, donc il est brisé, pour moi qui le vois comme ça, même s'il ne l'est pas réellement. Ben, c'est pareil pour les galaxies et tout ce qu'on observe, près ou loin, on observe des images, des phénomènes, phainomai en grec, phénomé, ça veut dire j'apparais, j'apparais. C'est pas je suis, c'est j'apparais. Et qu'est-ce qu'on... La physique, c'est de trouver des cohérences, des régularités dans les apparitions. Voilà, c'était une remarque très générale. Non, mais c'est vrai, vous avez un épistémologue philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard, qui a dit que la science fonctionne, que l'essentiel de la démarche scientifique, c'est de poser un problème. C'est de poser le problème. Alors, il y a des tas de questions. Il y a des milliers, des millions, des milliards de gens qui ont vu la nuit noire et qui ne se sont pas posés la question de savoir pourquoi la nuit est noire. Et il y a plusieurs personnes qui se sont posées ce problème-là. Pourquoi la nuit est noire? Le simple fait de poser le problème est au cœur même de la démarche scientifique. C'est une belle conclusion. Merci.